Yo tout le monde, juste avant que la vidéo commence, je voulais vous demander, enfin je voulais faire un petit sondage. Est-ce que vous préférez dans les vidéos Yo-kai Watch 2, est-ce que vous préférez que les prochains épisodes je les fasse comme ça, sans intro, enfin sans le générique du jeu? Ou alors est-ce que vous voulez que je continue pour les prochains épisodes à toujours mettre le générique de Yo-kai Watch 2? Répondez-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous voulez ou non que je laisse le générique de Yo-kai Watch 2 dans les prochains épisodes? Voilà, répondez-y par oui ou par non. Et bah voilà, bon visionnage à tous. Justement, en parlant de ça, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans cet épisode-là, pour que vous puissiez voir ce que ça pouvait faire. Alors forcément, ça bouffe une minute de la vidéo, parce que le générique, il dure une minute tout pile, vraiment. Donc vraiment, répondez-moi si vous voulez que je garde ou pas le générique dans les prochains épisodes. Si je vois que j'ai aucune réponse, bon, je laisserai le générique. Mais voilà, bon visionnage à tous. Et yo tout le monde, c'est Jibulu, j'espère vraiment que vous pétez à la forme aujourd'hui, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui là sur Yo-kai Watch 2 pour l'épisode 13. Un petit message à propos de la série. En ce moment il y a un peu moins d'épisodes, déjà l'épisode 12 a pris beaucoup de retard. Et je m'en excuse toujours. Il va y avoir un peu de retard entre les épisodes. Tout simplement parce que j'ai actuellement 4 séries à gérer. La série Fortnite, la série Yo-kai Watch 2, la série Mario plus les lapins crétins, et la série Among Us. Parce que oui, je prévois de faire, si je peux, une vidéo Among Us par semaine. Dites-moi si ça peut vous plaire. Une petite vidéo Among Us comme ça par semaine, ça peut être plutôt cool. Ouais, voilà, c'est pour ça. Enfin, j'ai surtout 2 let's play. Donc Yo-kai Watch 2 et Mario plus les lapins crétins. J'ai 2 let's play à gérer, donc bon, c'est un peu compliqué. J'essaye de vous sortir des épisodes quand je peux. Mais voilà, j'alterne un peu quand je peux. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à rejoindre le serveur Discord qui est dans la description, parce que je suis pas mal actif dessus. Je vous tiens au courant des actualités. Je vous fais même des sondages, puisque j'ai fait une vidéo mardi soir. Il avait mis sur un sondage: pour la vidéo de mardi soir, vous préférez que je fasse l'épisode 13 de Yo-kai Watch 2, l'épisode 4 de Mario plus la lapin crétin, ou une vidéo Fortnite? Bon, la majorité a voté une vidéo Fortnite. Ok, là aujourd'hui je vous fais l'épisode 13 de Yo-kai Watch 2, peut-être même que je vais faire l'épisode 14. Je verrai bien en fonction de mon temps si j'ai envie ou non. Parce que après ça, faut aussi que je fasse l'épisode 4 de Mario et la Pokétan. Et j'ai aussi envie de faire une ou deux vidéos Fortnite. Donc bon, c'est un petit peu serré. L'épisode 13 de Yo-kai Watch 2, je suis en train de le faire. Donc ça, c'est good là-dessus. Et donc voilà. Dites-moi d'ailleurs, quand est-ce que vous voulez que je vous fasse la vidéo où je vous montre mon compte principal sur Yo-kai Watch 2? Est-ce que vous voulez que je le fasse la semaine prochaine, dans plusieurs mois? Est-ce que vous voulez, répondez-moi dans l'espace commentaire, en plus du sondage que je vous ai dit en début de vidéo, la prochaine vidéo sur Yo-kai Watch 2? Vous voulez que ça soit l'épisode 14 ou la vidéo où je vous montre mon compte principal? Répondez-moi. De toute façon, là, je vais filmer les deux, mais dites-moi si vous préférez que je vous sorte après l'épisode 13, l'épisode 14 ou la vidéo sur mon compte principal. Et du coup, bah, nous, on est arrêté là pour météorologue. Hein, tu as la recherche de statues rares? Ah, comme celle du taureau. Une statue de taureau? Oui, c'est une belle pièce, tu sais. Et il confiait au temple quand... Putain, j'arrive pas à lire. Hein. Et confiait au temple quand j'étais gamin. Oh, la statue pourrait être météorologue. J'ai bien peur que tu sois arrivé trop tard. La statue n'est plus ici. Comment? Que voulez-vous dire? C'est très regrettable, mon petit. Mais un voyou l'a volé. Mais c'est horrible. Vous savez où elle pourrait se trouver? Bien sûr, j'ai été contacté il n'y a pas si longtemps par quelqu'un qui l'a vu. Exemple, elle se trouve dans ce nouveau gratte-ciel, la Tour Excellence. La Tour Excellence? Oui, je ne sais pas vraiment comment le voleur a pu la transporter jusque là. Cette statue est si lourde que personne ne pourrait la déplacer là-bas tout seul. La Tour Excellence est près de la gare du printemps. Il a dû prendre le train. Rendons-nous à la Tour Excellence sans attendre, Jibéluc. Oui. Merci de votre aide, monsieur. Là, il y a un petit télémire, c'est plutôt sympa. La gare du printemps. Forcément, je n'ai pas de... Là, j'ai une gare, là, j'ai une gare. Mais je n'ai pas réellement de... Ouais. La Tour Excellence, c'est vers la corniche. Enfin, c'est à côté. Attends, là, c'est très petit tac, non? Oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Hop. Alors, la gare du printemps, ah ouais, c'est tout là-bas.
la place de la fortune. Ah bah oui, c'est ça, oui. Bon, les gars, on se retrouve dès qu'on est là-bas. Il y a une petite histoire. Et justement, juste avant, je suis tombé sur un yokai qui m'a attaqué. Et toi, ça t'arrive d'aller chez Mamie Suzette? Oui, parfois. Ah, cool. Je sais plus comment je l'ai eu, mais tu peux le prendre. Un billet de loterie, ouais. C'est un billet pour la loterie de Mamie Suzette. Je suis un peu vieux pour ça. Je ne m'en servirai pas. Merci beaucoup. Pas de soucis, bref, je dois y aller. A plus. C'est sympa, écoutez. C'est plutôt cool. Encore une petite histoire. Et Whisper, à propos du yokai pad, est-ce que c'est le dernier modèle disponible dans le yokai world? Alors je sais plus si je voulais faire cette histoire ou dans le doute, je vous la refais. Je suis ravi que tu abordes le sujet. Les yokai les plus à la mode et qui s'y connaissent font la queue pour la voir. Mais je crois que je vous l'ai déjà fait en vidéo, mais bon, dans le doute, j'avais réussi à mettre la main dessus, c'est du dernier cri. En tant que meilleur valet du monde, je dois être à la pointe de la technologie. Qu'est-ce qui est si génial à propos de ce yokai pad? Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça? Eh bien, tu sais, Je vais pas le rendre si fébrile. Oh bah tu sais, son design est tellement épuré et brillant. C'est tout en fait, épuré. Comme ça, il est sorti avec tout. Non, c'est vraiment rien en fait. Exactement. Encore une histoire. Et toi, tu es en quelle classe? Je suis en CM2. Oh, tu es débrouillard si tu arrives à prendre le train tout seul. Tu m'as l'air d'être un bon garçon. Tiens, un bonbon. Merci, qu'est-ce que c'est? C'est un bonbon poisseux, ma recette originale. Je fais tous les matins pour les occasions comme celle-ci. Ouais, merci. Bon, ok. Encore une petite histoire. Quelle coïncidence! Pardon? Son prophétie doit être un signe du destin, tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas sûr de comprendre. Dis-moi, est-ce que tu as confiance en toi? Je savais, plus personne n'a confiance en soi de nos jours. Je n'avais pas beaucoup confiance en moi avant. Mais un jour, je suis tombé sur ce livre et ma vie a complètement changé. Tiens, prends-le et lis-le. Je ne préfère pas. Ne fais pas comme ça, allez, prends-le. Ouais, c'est de la merde. Si tu lis, ta vie ne pourra que devenir que meilleure. Fais-moi confiance. Allez, je te laisse. Merci, j'imagine. Allez. Pouh, les gars, on est enfin arrivé. Waouh. C'est parti. Tour excellence. Et en plus de ça, il y a un petit télémire. Alors. Oh, c'est bon, je me souviens de ce qui se passe. Mais non, mais... Hé, hey, qu'est-ce qu'il y a, gamin? Tu veux monter au point d'observation? Désolé, mais tu tombes mal, tous les ascenseurs sont en maintenance. Oh, quand seront-ils de nouveau en service? C'est une très bonne question. Hein? Le problème, c'est que je n'arrive pas à décider par lequel commencer. Celui à gauche ou bien celui à droite? Pourquoi pas au milieu? Impossible de choisir. Je crois que je me déciderai plus tard. Plus tard? Mais ça sera quand? Encore une excellente question. J'ai besoin de temps pour y répondre. Il agit vraiment bizarrement. Inspecte les lieux avec la Yokai Watch. Ah oui, c'est bon. Voilà. Normalement, il est... Voilà, ici. J'ai trouvé un yokai, effectivement. Oh, tu m'as trouvé. Ah, j'ai vraiment pas de veine. Whisper, comment s'appelle ce nouveau yokai? Bon, mais bien sûr, je connais, évidemment. Son nom est... Ah, ça me revient. Son nom est Draconfu. Ce yokai radon est tellement indécis qu'il reporte toujours tout au lendemain. Il cause vraiment beaucoup de soucis aux gens, surtout en été.
C'est moins de sa faute si les enfants font leur devoir à la dernière minute. Es-tu responsable de l'attitude du technicien dans le conflit? C'est possible, mais je peux me tromper, je te répondrai plus tard. Je te tiens au courant, quand j'aurai la réponse. Je pense que j'ai ma réponse. Très confus, il est temps de mettre fin à tes plaisanteries, on a besoin de lui. Ah, écoute, je vais y réfléchir, tu auras une réponse plus tard, ok? Ah, c'est frustrant, si tu n'écoutes pas, on va devoir te forcer la main. Oui. Ah non, on ne pourrait pas reporter ce combat plus tard. Eh bien non, apparemment non. Alors si je me souviens bien, Dragon Fu, il n'est pas très compliqué à battre. Hein. Je crois. Hein. Alors un peu sa vie, ouais, ça passe. Bon, je vais te faire ça avec la musique de Bushinian parce que bon, j'ai pas non plus envie d'y passer toute l'heure. Il est pas mort ce con? Non, toujours pas. Il reporte son attaque. C'est vraiment Yuke qui est nul parce qu'en fait, ça fait 2 secondes. En fait, il reporte son attaque. C'est de la merde. En gros, il attaque pas, genre, il laisse son tour. Ah, je pensais qu'on devait son ami. Bon, ok. Tu as réussi, maintenant qu'il est parti, le technicien va se remettre au travail. Retournez aux ascenseurs. Excusez-moi, combien de temps l'inspection va-t-elle prendre? L'inspection, tu tombes bien, je viens juste de la terminer. Wow, vous avez été rapide. Pour être franc, c'était une procédure assez simple. Je ne sais plus pourquoi j'ai autant hésité sur la façon de procéder. Oui, c'est difficile à dire. Peut-être bien que tu finis bien, pas vrai? Allons récupérer mes météorologues. Eh bien, allons-y. Allons-y, mes amis. Voilà, on peut se dépasser dans l'ascenseur, bon, c'est tué. Voilà. Je crois même que de temps en temps, si vous avez de la chance, il y a un yokai qui est dans l'ascenseur. Je crois que c'est comme Hassan. Et je suis plutôt vraiment sûr. Bah, il y a un yokai. C'est un tableau blabla. Oh non, c'est un jacasseur. On va juste sauvegarder. C'est vraiment stylé la tour Excellence, hein. Alors, météorologue. Oh, comme c'est excitant. Un instant que je sorte ma fiole de Ramoline. Déjà, pourquoi est-ce qu'il a été transporté jusqu'à la tour Excellence? Donc c'est moi ou Nathan là, il a la Yokai Watch Model 0. Regardez, c'est un peu bleu. Ouais, c'est un petit peu bleu. Alors que pourtant tout à l'heure quand je jouais, j'avais la Yokai Watch normale, hein. La Yokai Watch classique. Enfin, on dirait que là, il a la Yokai Watch Model 0. Bon. Admirez son époustouflant pouvoir. Mais enfin, je vous attendais. Quoi, tu nous attendais? Qu'entends-tu par là? En fait, je peux prédire l'avenir. Donc je savais que vous viendrez m'aider. Et je savais aussi que vous seriez là parce que vous voulez aider Nathaniel. Oui, puisque tu sais déjà toute l'histoire, acceptes-tu de nous aider? Mais bien sûr. Météorologue. Désolé, gars, mais j'étais obligé. Il débloque d'ailleurs un saut du médaillium. Ouais, c'est bien ce que je dis. On dirait bien que Nathan, il a le modèle 0. Dommage qu'on ne sache toujours pas comment tu es arrivé ici. Mais de quoi tu parles? Je suis venu en pèlerinage ici, voyons. Pardon? C'est un clic de passage. Comme Hassan qui m'a parlé de cette tour. D'après lui, cette tour était plus haute que les nuages. Il fallait que je vois ça. Nya, mais comment tu avais pu pour te déplacer? Tu étais une statue. Ah, la malédiction s'est affaiblie avec le temps. Assez pour que je me déplace. Mais le voyage m'a coûté tant d'énergie que je n'ai pas pu repartir. Je vais en profiter pour m'y détendre, car j'avais prédit que vous viendrez à moi. Oh, j'imagine que tu as eu raison.
Faites appel à moi en cas de besoin. Ce sera le cas, je peux te le garantir. Ok, c'est un sacré détour, mais quel soulagement que tu sois sain et sauf. Et du coup, le dernier yokai, c'est Sirénée. Ça va être chiant. Clairement, les gars, je m'en souviens, pour Sirénée, ça va être... Ça va pas être de la tarte. Vraiment. Oh bah directement je prends oui le grand export forcément. C'est logique, voyons donc. Pardon. Non, là, j'y pense, alors je pense que l'épisode 13, je vais sortir le lendemain, donc le samedi, mais même comme ça, pour le dire, bonne chance, enfin, j'espère que vous avez eu de la chance pour ceux qui ont participé au Solar Lave de Grevg sur Fortnite. Voilà, j'espère que vous avez eu de la chance, ceux qui ont participé à cette compétition, le Solar Lave de Grevg. Il y avait une compétition pour gagner le skin de Grevg, sa pioche, sa danse et son accessoire de dos. Dans le mode, le sol est en lave, mais sur la map du chapitre 2 de Fortnite. Voilà, petite parenthèse sur Fortnite. Maintenant, comme je l'ai dit, le plus chiant, ça va être Siwine. Je vais rater mon accent. On va voir si... Ouais, c'est un yokai de rang A, tic-tac. Peut-être à la rigueur, je vais changer Jibanyan. Météorologue. Bonne passage chance permet de restaurer les PV de tous les alliés. J'ai déjà lu lutin. Allez, on laisse. Ouais, on sauvegarde, non, écoute. Tant qu'à faire. Du coup, on devait aller à San Fantastico. Le plus proche que j'ai, c'est la garde d'Orcival. Je dois prendre le bus? Bah non, normalement, j'ai pas besoin de prendre le bus. Je vois où est-ce que ça nous mène. Là on est où? Orcival. San Fantastico, c'est tout là-bas. Ah, tais-toi, tu pues. Je vais prendre le bus, on va voir, on sait jamais. Mais attends, mais le bus il va m'amener où déjà? Bah non, faut que je prenne le train, j'ai pas le choix de toute façon. Le problème c'est que le train... Faut que je passe par les chutes indigo, le parc du temple, verte plaine, la place de la fortune, le point azur, le pré au songe, point crête, la crête et San Fantastico. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh putain. J'ai 9 gares à faire. Merci d'avoir choisi la ligne ours au jeu. J'ai vraiment le seum. J'ai vraiment un seum, mais je... voilà. Bon, je peux faire de coupure, parce que de toute façon, l'épisode, je pense qu'il va bientôt s'arrêter. Non. Pas ce que je voulais faire à la base. Les gars, pour l'année 2021, d'ailleurs, je vais essayer de vous faire un peu plus de vidéos IRL. En ce moment, avec le couvre-feu et le confinement, c'est pas très simple. Je vais pas vous mytho. Alors oui, tous les jours, je vois Fluffle du 77, Clemax, Sharky, tous les jours... Merde. Non. Oui, je vais devenir son ami. Voilà. Mais bon, c'est pas très... C'est un peu compliqué. Bon, à chaque fois, je me trompe.
Donc bon. Moi, je voudrais bien vous faire un peu plus de vidéos IRL, mais voilà, comme je l'ai dit, c'est un peu compliqué. Mais je voudrais bien, pour cette année 2021, de faire un peu quelques vidéos sur Fortnite avec certains youtubeurs. Ça, franchement, ce serait plutôt cool. Bah non, 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 non. Ce serait plutôt cool que je puisse faire des comme ça des vidéos de trucs youtubeurs. Alors, je parle pas de mes potes, genre Sharky, tout ça. Tu as remarqué quelque chose de différent chez moi, JBLuc? Non, pas vraiment. Pourquoi? J'aurais dû? Vraiment? Comment as-tu ne pas remarqué? J'ai mal dit que je devrais leur dire. C'est ce que tu m'as vraiment dit. Bon, d'accord, je vous le dis. Vous êtes sérieux? Vas-y, je t'écoute. En vérité, j'ai des marques de bronzage étranges. Je suis surpris que vous n'ayez pas remarqué. Et c'est quoi le problème exactement? Vous ne comprenez pas. Si ça continue, je vais pas oser mettre mon maillot de bain à la plage. Non mais Whisper, personne ne te regardera puisque personne ne te voit. Tu es invisible. Et en plus, tu ne portes jamais de vêtements. Oh, j'espère que tu ne sais pas vexé. Je l'avais pas vu sous cet angle, JBLuc. Tu as raison. Je devrais vivre ma vie sans me soucier de ce que les gens pensent de moi. Il avait changé d'attitude. Ok, ok. Bon. Ah, mais les gars, pendant qu'on est dans le train, parce que oui, j'ai pas envie de faire des coupures, c'est bon. Pendant qu'on est dans le train, ce serait pas le moment de cliquer sur le bouton rouge? Ah. Bah, ça a l'air plutôt fort, non? Je suis sûr qu'il doit être fort, la bagarre. Oui, mais il se bat plus trop, plus en ce moment en tout cas. En plus, il a une énorme faiblesse. Une faiblesse? Quelle faiblesse? Sa mère le terrifie. Vraiment, je dois avouer que je ne m'attendais pas à ça. Cela dit, sa mère est plutôt terrifiante. Je me souviens quand il a essayé de faire l'école buissonnière une fois. L'école buissonnière? Sa maman l'a retrouvé, l'a pris par l'oreille et l'a traîné jusqu'à l'école. Quand il arrive à l'école, Balaz pleurait comme une madeleine. Ça devait être gênant pour lui. Oui, je me sens un peu mal pour lui. Bref, voilà sa faiblesse. Ok, je disais donc, vous ne pensez pas que c'est le moment de cliquer sur le bouton rouge là, le petit bouton s'abonner? Moi je pense. Ah non? Moi je pense, les gars, que c'est le moment. Et d'ailleurs, vous voyez le petit pouce en l'air gris là, en dessous de la vidéo? Faut peut-être cliquer dessus et il sera bleu. Non, vraiment, les gars, plus sérieusement, abonnez-vous et mettez le pouce bleu. Objectif, les gars. Objectif 5 pouces bleus. Voilà, je suis gentil. Objectif 5 pouces bleus. Voilà. Et pour être au courant de mes prochaines vidéos avant tout le monde, cliquez sur la petite cloche de notification. Ça fait toujours plaisir. Et pour être au courant des actus, voilà. Il y a le serveur Discord qui est dans la description. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Donc, ben, n'hésitez pas à aller checker, tout simplement, tout simplement. Évidemment, forcément, dans la description, vous avez la chaîne YouTube des autres membres de l'équipe. Donc, il y a Sharky, Kingset, Zikoz et tout. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas à les check. Également, il y a mon compte TikTok. Donc, c'est jubiluc-off. Ou alors, vous tapez directement jubilu dans la barre de recherche. Voilà. Et en ce moment, sur mon compte TikTok, j'essaie un peu d'être de nouveau actif. Jouer au Binokai, c'est plutôt marrant. Comment ça, marrant? Ouais, je suis surexcité à chaque fois, j'ai en train de rien que d'y penser. Mia aussi, je veux l'essayer. Ça a vraiment l'air rigolo. Crois-moi, ce n'est pas aussi rigolo qu'il n'y paraît. Hein? Maintenant le suspense quand je tourne la manivelle et la boule qui sort. Oui, le suspense est insoutenable. Tu ne sais pas comment c'était. Qu'est-ce qui t'arrive, Whisper? Dis-je, Bilu, tu t'es déjà fait enfermer dans une capsule, hein? Oh, Nia! Je suis vraiment désolé, Whisper, j'avais complètement oublié. Miaou aussi. L'intérieur de ces capsules était aussi confortable, aussi agréable. Divin. Jamais trop chaud, jamais trop froid, dire que je n'ai passé que 190 ans. Vous ne pouvez pas comprendre. Ouah, je ne m'attendais pas à ça. Eh bien, dis donc, on va en passer des trains. J'ai pas envie de vous faire de cut, mais de toute façon, comme ça, on peut parler librement, voilà. Donc, la série Yo-Kai Watch 2, si je tiens un bon rythme, je pense qu'elle devrait se terminer en mars ou en avril 2021. Si je tiens un bon rythme, je pense qu'elle devrait se terminer en mars ou en avril 2021.
Voilà, voilà. Donc, j'essaie un peu de vous faire un peu une vidéo Among Us par semaine. Mais les vidéos Fortnite, bon, ça reste. Hein. Principalement, je vous en fais le mercredi ou vendredi soir ou même le week-end. Hein. Super, un nouveau UK qui veut se battre. C'est énervant. Et pour la série UK Watch 2, je fais le mercredi ou le vendredi soir. Là, actuellement, on est le vendredi soir. Ouh! Que des coups critiques! Ça fait mal tout ça, hein? Alors, encore un petit coup critique? Non, pas. Voilà, je vous fais pas de tête parce que moi vous pouvez voir ce que moi je vis quand je dois refaire tous les trains. Voilà ce que je vis moi. D'ailleurs là, je sais pas, enfin je l'ai dit dans une vidéo, mais mon objectif pour 2021 c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Vraiment les gars, j'essaye un go rush les 1000 abonnés avant 2022. Vraiment les gars, actuellement à l'heure où je parle, j'ai 333 abonnés. Merci à vous. Les abonnés, en ce moment, vous êtes un peu arrêtés. Genre, il y avait une période où, lorsque j'avais à peu près les 100 abonnés, il y avait une période où vous arrêtiez pas de vous abonner. Mais vraiment, vous arrêtiez pas de vous abonner. C'était super cool. Pareil, quand j'ai eu les 200 abonnés, et à partir du moment où j'ai eu les 300 abonnés, vous êtes vraiment calmés. Mais genre, vraiment. Il y a eu quasi... Non, les gars, abonnez-vous. Ça fait super plaisir. Non mais vraiment, ça fait super plaisir. Donc voilà, moi, go rush les 1000 abonnés avant 2022. Et les gars, en parlant de tout ça, on a fait les 9 gares. On va terminer. Du coup, sans Fantastico, il fait nuit en plus. Ouais. Oh non, je crois me souvenir d'un truc. Je crois me souvenir d'un truc terrible. Très terrible. Bien. Oh non, mais que je suis bête. C'est vrai. J'ai complètement oublié. Non, les gars, j'ai trop le seum. J'ai complètement oublié que, en fait, fallait d'abord aller à la gare. Oh non, fallait d'abord aller à l'école d'Orcival. J'ai totalement oublié. Me critiquez pas, s'il vous plaît. Bon. De toute façon, ça va, j'ai un télémère qui m'emmène jusqu'à le truc là, mais j'ai trop le seum. J'ai fait toutes les gares pour rien. Bon, au moins, c'est fait. Maintenant, j'ai fait. Au moins, ouais, c'est fait. Comme ça, j'ai eu le télémire. Et non, j'ai fait tout ça pour rien. Oh non, vraiment. Bon, je vais sauvegarder parce que j'ai pas envie de me retaper tous les trains si jamais ma DSL crash. Hein. Clairement, les trains, c'est bon. Ça, c'est une horreur. Heureusement qu'il y a les télémires qui existent. Hein. Oh, des lucioles, c'est trop beau. Bon, allez. D'après ce qui est indiqué sur la capsule de lait d'Overnian, pour trouver Sirénée, on va devoir inspecter cette école. Mais pourquoi Sirénée se trouverait là-bas plutôt qu'au fond de l'océan? Peut-être que c'est là qu'on trouvera un indice sur l'endroit où elle se cache. Allons jeter un œil dans le coin et voyons ce qu'on peut y trouver. Moi, je veux bien, mais tu veux trouver quoi? Ça? Un concombre. Dédicace à Michou. Bah faut rentrer dans les joies du coup. C'est verrouillé. On va dire que c'est impossible d'y rentrer la nuit. On ne peut rien faire, il faudra revenir en journée, c'est une blague. Tu te fous de ma gueule, Whisper? Whisper, toi te fous de ma gueule? Oh là 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 les gars. Je pense d'ailleurs qu'on va devoir arrêter l'épisode là-dessus.
Ouais. Cet épisode aura presque servi à rien, puisqu'on a quand même vu le météorologue. Mais j'ai quand même le seum, quoi. Ouais. Je te demande. Et là, c'est bon, hein. Oh non, mon page journal, il expire. C'est dommage. Alors là, pour ceux qui demandent quand est-ce que je vais reprendre les vidéos Brawl Stars sur la chaîne. Bah, en fait, je joue toujours à Brawl Stars, hein, tous les week-ends, j'y joue au jeu. Mais le problème, c'est que, j'ai pas d'idée de concept à faire la vidéo. Les gameplays sur Brawl Stars, en fait, si vous voulez, j'ai envie d'avoir les gadgets et le pouvoir star du brawler. C'est pour ça que je vous en fais pas. Mais normalement, la prochaine vidéo Brawl Stars que je dois vous faire, c'est une vidéo où j'achète un pass Brawl. Donc ça devrait arriver soit la saison 5, soit la saison 6 de Brawl Stars. Ah, le Monster Valley me dit qu'il y a quelque chose de suspect ici. Vraiment, mais je ne vois que des toilettes, moi. Mon intuition me ment jamais, tu le sais bien. Inspectons les environs. Je sais. C'est ce fameux yokai. Très iconique parce que c'est un yokai très connu. Aussi bien dans le jeu Yokai Watch que dans le dessin animé, enfin surtout dans le dessin animé. Dans le dessin animé Yokai Watch, ce yokai que vous voyez juste là, il est très connu et il apparaît souvent. Ornella, voilà. Je sais pas le dire. Oui, qu'est-ce que tu veux toi? Ornella, elle apparaît très souvent dans le dessin animé de Yokai Watch à partir de la saison 2. J'en reviens pas, qu'est-ce qu'un yokai fait dans les toilettes? Excuse la spontanéité de mon ami. Sauras-tu où se trouve Sirénée? Bien sûr que je sais, c'est une bonne amie. Mais je ne peux rien te dire à toi. À moins que tu n'acceptes de jouer un petit jeu avec moi. Oh. Je t'attendrai dans la cour de l'école. Bon, les gars, on va s'arrêter là, nous, pour cet épisode 13. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Et moi, les gars, je vous dis à la prochaine et bye tout le monde.